vu le décret D 2021-016-PRG-CNRD-SGG du 13 novembre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de la primature, décrète titre 1, disposition générale, article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au cabinet du Premier ministre. Monsieur Bachir Camara, précédemment directeur fiabilité des actifs, usines et mines à Valais, Nouvelle-Calédonie, est nommé conseiller chargé des mines et de l'énergie. Madame Moudatouba Anne, précédemment responsable des services support à Global Alumina Corporation, est nommée conseillère chargée de la gouvernance et de l'éthique. Madame Seriane Kenema, précédemment conseillère environnement et assainissement à la primature, est nommée conseillère chargée du développement durable et maritime. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er, M. Karamo Kaba, précédemment économiste, stratégiste à l'Ecofi Investissement en France, est nommé gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er, M. Mohamed Lamine Conté, précédemment directeur général de la supervision, est nommé premier vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er, Madame Souadou Baldé, précédemment risk manager, chef service surveillance des établissements de crédit, est nommé deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er, M. Amadou Doumbouya, précédemment conseiller principal du ministère des Hydrocarbures, est nommé directeur général de la Société nationale des pétroles, SONAP. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er, M. Lansine Keta, précédemment chef de division droit international du ministère de la Défense nationale, est nommé chef de cabinet au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er, M. Tierno Amidouba, précédemment administrateur civil du mouvement des jardins, est nommé chef de cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er, M. Karim Samoura, précédemment enseignant-chercheur et consultant international, est nommé chef de cabinet au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er, Madame Sarang Camara, précédemment gestionnaire carrière et paix à la mairie d'Aubervilliers, France, est nommée chef de cabinet au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er, Madame Fatoumata Conté, précédemment chef de cabinet du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, est nommée chef de cabinet au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er, Madame Youssef Nana Tenenke Diaré, précédemment chef de cabinet du ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine, est nommée chef de cabinet au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l'Intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er, M. Gopounan Chérif, précédemment directeur adjoint service des relations communautaires et du développement contenu local, est nommé chef de cabinet au ministère des Mines et de la Géologie. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er, M. Ahmed Tidiane Camara, précédemment attaché de cabinet aux travaux publics, est nommé chef de cabinet au ministère des Infrastructures et des Transports, portant création d'une commission interministérielle de récupération des biens de l'État. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er. La commission interministérielle de récupération des biens de l'État est composée comme suit. Président, général à la retraite Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile.
vice-président, Monsieur Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Membre, colonel Amara Camara, ministre secrétaire général de la Présidence de la République. Monsieur Mori Kondé, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Monsieur Yaya Sow, ministre des Infrastructures et des Transports. Monsieur Mamadou Nagnalem Bari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Monsieur Moussa Cissé, ministre du Budget. Rapporteur, Monsieur Mohamed Sampi, agent judiciaire de l'État. Nomination de haut cadre à la Banque centrale de la République de Guinée. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés à la direction générale du Fonds de garantie de prêts aux entreprises. Directeur général, M. Aboubakar Yalani Bangoura, précédemment directeur des affaires administratives et financières de l'Institut national indépendant des droits humains. Directeur général adjoint, M. Abdoulaye Diallo, précédemment consultant indépendant, anciennement directeur général de Crédit Cash Guinée. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel La République, Conakry le 7 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya.